queste siamo noi. Uno sguardo, un sorriso e poi via. Puoi volare tra le stelle insieme a noi. Bloom, t'es là? Tecna! Tecna, réponds-moi s'il te plaît. Tecna! Je suis perdue. Où suis-je? La lumière revient. Je devrais continuer tout droit. Oh, mais c'est Tecna. J'ai eu tellement peur, tu peux pas t'imaginer ce que j'ai traversé. Oui, bon, maintenant on est là. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ça bloque le passage, on peut pas voler au-dessus. Car sinon c'est la fin. C'est étrange. C'est une sorte de passage interdimensionnel. Mais sans passer à travers, on peut pas. Mais j'ai l'impression que personne ne peut passer à travers. Regarde, on dirait vraiment un mur quand tu t'approches. Tu veux que j'essaye avec ma flamme dragon, peut-être que j'arriverai à le dissoudre. Ça ne bouge pas. Je te l'avais dit seul, ceux qui ont un cœur froid comme celui d'Abby peuvent passer. Mon Dieu, Musa doit être à l'intérieur. Je pense, oui. Nous devons le détruire. Ok. Urgence du feu de Bloomix. Attention, yeah! Strictement rien fait. La convergence n'a servi à rien. Nous devons persévérer. Persévérer, facile, oui. Tu veux que ça fasse quoi? Regarde, le mur est intact. Il n'y a même pas une égratignure. Il n'est même pas fragilisé. On est dans la merde, Tecna. Peut-être Bloom, mais il faut qu'on se batte pour Musa. Si Musa est vraiment à l'intérieur, alors là, il faut qu'on détruise ce mur. Ou bien peut-être qu'elle est simplement dans l'océan. Je m'en fous. J'ai l'impression de sentir sa trace à l'intérieur de ce mur. Je sais pas vers où elle va, mais je veux détruire ce mur à tout prix. Bloom, on réessaye. Ok. Je crois encore à la force du destin. Tu te demandes pourquoi. Arrête de chanter, Leïla, ça sert à rien. C'est pas ça qui va nous aider à retrouver Musa et les coquillages. Ouais, bon. Je vais essayer d'appeler Starlet une troisième fois. Flora n'a pas l'air d'être là non plus. Excuse-moi si j'ai mis du temps, mais... j'ai pas tout le temps non plus. Oh. Starlet, tu es magnifique. Merci, merci.
Salut Stella. Coucou. Ah, ma petite starlette, aurais-tu vu par hasard des coquillages de plusieurs couleurs? Jaune, violet, rose et vert, exactement. Car le bleu, bleu m'aime là et puis moi j'aime mon normal. Oh, où peut-elle être Flower? Flora, Flower arrive, elle t'a entendu, t'inquiète pas. J'arrive Flora. Flora, je suis vraiment désolée du retard. J'étais un peu longue, oui, j'avoue. Je suis vraiment désolée. Pas grave, Flora. Je t'aime tellement. Moi aussi. Parti. Toujours aucun signe. Stella, je t'aime beaucoup, mais tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et malheureusement, je crois que je dois repartir. C'est vrai, moi aussi. On a des devoirs de sirène et donc, malheureusement, on va sans doute devoir partir. On est désolés. On reviendra, c'est sûr, pour vous aider. Oui, on vous donne toute notre chance de côté. Aucun souci, les sirènes. Oui. À bientôt. Passez une bonne journée. Pour la 23e fois. Puissance maximum de la flamme du dragon. Oh mon dieu, j'ai réussi. Ça n'a quasiment pas bougé. Est-ce que j'ai réussi? J'aurais du mal à le savoir de toute façon. Pauvre Tecna, elle est épuisée. Elle a essayé au moins une centaine de fois. Moi, je n'ai essayé que très peu de fois et j'y arrive toujours pas. On va peut-être finir à deux congelés. Oh là là. Le mur a l'air fragilisé. C'est comme si on pouvait passer par là-bas. Ah, qu'est-ce que c'est? Pour ouvrir ce portail, il vous suffira de lancer un sort de glace. Moi, Abby, vous attends pour prendre le thé à l'intérieur. Bonne chance. Ah, surtout, si vous êtes des fées, n'essayez pas. Ça ne sert à rien, je vous défoncerai à l'intérieur. Coûte que coûte. Je n'aime pas des fées. Si c'est des sorcières, allez-y. Vous avez juste à sonner et puis à me dire qui vous êtes. Je vous ouvrirai sans doute. Bonne chance. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bloom, ça va? J'ai entendu du bruit comme si tu parlais avec Abby. Je sais pas, c'est comme un répondeur automatique. Apparemment, il y aurait une sonnette. Tu veux dire qu'on aurait fait ça tout ça pour rien? Je l'espère. Mais regarde, il s'est un peu ouvert. Je crois que je l'ai fragilisé. Je vais essayer de me battre une dernière fois contre lui. Mais bon, s'il faut un sort de glace, ça ne sert à rien. Mais ou peut-être elle... Ou peut-être la sonnette. Bon, c'est pas grave. Ne me posons pas de questions. C'est parti, Bloom. Utilise toute ça, toute ta puissance. Flamme Bloomix, puissance maximum. Ah, ouais, c'est en dessous, Tecna, je résisterai pas longtemps. Bloom, je peux pas bouger. Mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mur? Regarde bien, Abby va venir nous congeler. T'inquiète pas, Bloom, on s'en sortira de toute façon. Il faudrait seulement que Musa nous capte et puis vienne nous voir. Ah, j'ai l'impression que je vais lâcher. Ne lâche pas, Bloom. Je vais essayer d'utiliser un sort. Dépêche-toi, Tecna. J'en peux plus. T'inquiète pas, Bloom. Attends, tu es prête? Pouvoir Bloomix de la technologie. Tecna, ça marche? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouf, j'ai plus du tout de force. Ça va, Tecna? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu crois qu'on pourrait rentrer? J'en sais rien, si c'est un passage interdimensionnel, je pense que oui. Laisse-moi regarder ça de plus près. Hein? Bloom, où es-tu? Je suis vraiment rentrée dans son désert de glace. C'est encore plus effrayant que ce que je pensais. Là, je dois essayer aussi. Ah! Oh, Tecna, c'est toi. On est rentré, Bloom. On doit retrouver Musa. Tu es sûre qu'elle est là? Je capte sa trace magique. Suis-moi, il faut qu'on vole. Le sol n'a pas l'air glacé, mais il est froid au toucher. Je ne sens rien, avec ma flamme de dragon, je ne peux pas rien sentir.
Bon, en tout cas, je le sens, moi. Allez, suis-moi. C'est impressionnant. Oh, Tekna. Oh, je me sens trop faible. Il fait trop froid pour moi. Tu as raison. Je sais quoi faire. Dis vite quoi. Je ne peux plus. Oh, mon Dieu. Je dois continuer coûte que coûte. Vu qu'il fait froid... Et tu te rappelles mon coquillage magique? Et si je le ramène ici, tu crois que ça pouvait faire de la chaleur supplémentaire? Tu peux toujours essayer, Bloom. Mais on n'a pas le temps. Je t'en supplie, laisse-moi essayer. Ok. Dépêche-toi. Il fait froid ici. Je me dépêche, promis. Bonne chance, Bloom. Bonne chance à toi aussi, Tekna. Oh! Les filles, c'est merveilleux, nous sommes dans le fond des océans. Regardez là-bas! C'est magnifique. Ce sont les coquillages. Oui, ils sont magnifiques. Oh, les filles, nous sommes dans les profondeurs de l'océan. C'est comme si ici il n'y avait plus d'eau. Je me demande ce qu'ils font dans un endroit comme celui-ci. Peu importe, on les a trouvés, enfin. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le coquillage a été attiré par toi, Flora. Tu en es sûre? Oh! Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes des fées accomplies de l'océan! Vous avez un coquillage magique, les filles! Vous allez avoir des pouvoirs magiques du coquillage. Vous serez plus fortes en Aquatix. Je suis trop contente pour vous. Remontons à la surface. Ces deux-là doivent appartenir à d'autres fées. Mais il faut tout faire pour que Musa et Tekna les obtiennent. Remontons vite! Allez, suivez-moi. Waouh. Allez, on y va, Stella. Ok. C'est étrange quand même. Tu m'étonnes. On a deux coquillages. Bon, on y va. Avec nos coquillages.